Welcome to DuPont Poi Studio Art Workshop. I'm going to show you today how I've been painting this portrait of Leopold King II from Belgium. This king was among the person who divided Africa in 1885. And I'm going to show you the technique I use to paint this portrait. So, I first of all started by sketching this portrait. I've been using pencil, and I sketch this portrait with pencil. I started by sketching this portrait with pencil. After sketching this portrait, I go to another step of painting. And now I'm going to show you the way I always paint my artwork. First of all, you have to divide the subject in three zones. You have to divide the painting in three zones. We have the first zone is the dark one. It's where you don't see enough of light. That's the dark zone. The second zone is where we have light, but not more. We can call it also middle zone. And we have the third one is the highlight zone, where we have more light. So I use for the dark zone, I use black mixed with cobalt blue to paint in the dark zone. And in the middle zone, the light one, I use gray mixed with white with small touch of black. And I use that mix to paint the middle zone. And the highlight area, the highlight zone, I just use the white. Only white painting. This is the way I divide my work. I divide my subject in three areas. So let's start by the zone, the dark tone, where we don't have more light. The way I tell you, in this zone I use black mix with cobalt blue. The technique I use, we call it a la prima. A la prima technique is the one who makes you paint in one layer. You don't have to put second, third layer. With a la prima, you have to paint only with one layer. This is what we call a la prima. So you have to paint wet on wet. So the technique I use here is wet on wet technique. And I also want to advise for the beginner on painting. To paint is not asking you for looking for a special technique. There is no strange technique for painting. To have a nice painting, you need to be only simple. Just be simple, and with more experience, you are going to come, you'll go through, you'll get nice work. You don't need to look for a special techniques for painting or a strange technique for painting. No, you don't need that.
What you need is just to practice a lot with more experience and with a simple technique, and you can achieve what you want to achieve in artwork. So the technique I use here is only wet on wet a la prima. This is the technique I use. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, pour ceux qui comprennent rien que le français, je disais que je suis en train de vous montrer comment est-ce que j'ai commencé à peindre ce portrait de Léopold II, roi des Belges, qui était parmi les personnes qui ont divisé l'Afrique en 1885. Et ils ont divisé l'Afrique en morceaux, en petits pays. Léopold II, roi des Belges, c'est lui que je suis en train de peindre aujourd'hui. Alors, j'ai commencé par les croquis au crayon. C'est comme ça que je commence, toujours par les croquis au crayon. Alors, dès que je termine les croquis au crayon, je passe à une autre étape qui est la peinture. Alors, je disais que la technique que j'ai utilisée ici, c'est la technique que nous appelons wet on wet par les Anglais. Les Anglais appellent ça wet on wet, qui veut simplement dire humide. C'est-à-dire que vous utilisez la peinture humide sur une surface humide. Voilà comment, c'est comme ça que je peux traduire la technique en question. Mais j'espère que vous avez quand même une idée sur ce que je vais dire. Donc, sur une surface humide, vous y mettez une peinture aussi humide. Voilà, wet on wet. Alors, c'est cette technique que j'ai utilisée pour peindre le portrait de Léopold II. Alors, c'est une technique qu'on appelle aussi à la prima. À la prima, c'est-à-dire que vous allez utiliser cette technique dans une seule couche. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à revenir, vous n'allez pas utiliser plusieurs séries de couches. Hein? C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre peinture, vous mettez votre peinture une fois pour toutes et puis vous terminez le travail. Alors, c'est la technique à la prima que je suis en train, que j'ai utilisée pour peindre ce portrait. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont accepté de visiter cette vidéo. Je vous dis merci et vous êtes les bienvenus sur ces studios, dans mon studio du Paul Mpoi Art Work. Voilà, donc je vous souhaite, donc je disais que je vous souhaitais donc je vous souhaite la bienvenue dans notre studio pour voir comment nous allons peindre le portrait de roi Léopold II. Alors, à toutes, je vous souhaite la bienvenue. La technique utilisée, wet on wet, qui veut simplement dire humidité sur une surface humide, application de la peinture humide sur une surface humide, et c'est la technique que nous avons utilisée. Alors, j'ai toujours commencé par les croquis au crayon. Après, je passe à l'étape de la peinture. Avant de peindre, je commence par diviser l'objet de la peinture en trois zones. Nous avons la zone sombre, la zone éclairée et la zone plus éclairée. C'est comme ça que je divise mon projet, mon objet, en trois zones. Dans la zone sombre, j'utilise ici pour ce portrait
Dans la zone sombre, j'ai utilisé la peinture black, c'est le noir, hein? La peinture noire, donc black, et j'ai mélangé avec la peinture bleue, que j'ai appelée cobalt, qu'on appelle cobalt blue. Hein? Cobalt blue, donc, la peinture bleue. Ah, c'est la peinture que j'ai utilisée pour la partie noire, à la partie sombre. Alors, la partie éclairée, j'ai utilisé la peinture grise, avec mixé à la peinture blanche, et puis avec une petite touche de noir. C'est ce que j'ai utilisé pour la partie éclairée. Mais la partie plus éclairée, là, j'ai juste utilisé la peinture blanche. Voilà comment j'ai classé les zones et voilà comment j'ai posé les différentes couches de peinture dans les différentes zones. Nous voici arrivés à la fin de notre travail. Alors, je dis merci à tous à tous qui ont visité notre studio. Je vous promets encore des bonnes vidéos pour la fois prochaine. Alors, tout ce que je vous demande, c'est que de cliquer là où c'est écrit aimer, là où il y a le symbole qui veut dire aimer, vous pouvez cliquer là pour aimer la vidéo et puis vous pouvez aussi cliquer pour vous abonner. Ce n'est qu'en faisant cela que vous nous donnez la possibilité de revenir prochainement avec une autre vidéo. Il faut aimer les vidéos, il faut vous abonner pour nous faciliter la tâche, pour nous permettre de vous apporter encore plus de vidéos plus intéressantes, des vidéos où nous allons peindre, nous allons vous montrer comment peindre les animaux, comment peindre le paysage et comment peindre les portraits en couleur. Donc il y a beaucoup de vidéos intéressantes sur ces studios, sur cette chaîne, sur notre studio du Pôle Mpoi. Vous aurez beaucoup de séries de peintures très intéressantes. Alors, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne distraction en visitant tout notre travail, en visitant notre studio. Merci et à la prochaine.